de la température, comme vous le voyez dans le classeur. Simplement, vous appuyez sur le bouton ici. Vous augmentez la température avec la molette. Vous appuyez dessus pour valider. Toutes ces informations, vous les trouvez dans le classeur. Ce classeur, je vous le remets maintenant. Merci. Merci beaucoup. Est-ce que je peux encore répondre à des questions ? Tout nous semble clair. On a juste remarqué que vous aviez changé la conduite à mazout. Y a-t-il une raison à cela ? Oui, tout à fait. La conduite à mazout doit absolument être dimensionnée correctement. Lorsqu'une nouvelle chaudière vient remplacer une ancienne, une tuyauterie adaptée la reliant à la citerne doit être prévue. Avec l'entrée en vigueur en 1993 des normes visant à réduire les émissions polluantes, la technique de la combustion exige dès lors une pression d'air plus importante sur la flamme du brûleur, ce qui réduit la plage de son bon fonctionnement. La conduite d'alimentation en mazout joue un rôle déterminant pour ce bon fonctionnement. Pour expliquer ce qui peut arriver dans une conduite de mazout, nous allons voir ce qui se passe lorsque l'on crée le vide autour d'un récipient rempli d'eau froide. La température d'ébullition de l'eau dépend de l'altitude, autrement dit de la différence de hauteur de la colonne d'air se trouvant au-dessus de la surface de notre liquide. Ainsi, en créant le vide dans cette cloche, nous allons réussir à faire bouillir, vaporiser de l'eau à température ambiante. Nous pouvons observer ce même phénomène sur une installation de chauffage au mazout. En aspirant le combustible depuis la citerne, la pompe se trouvant sur le brûleur va engendrer un phénomène de vacuum qui va vaporiser le mazout. Les effets de cette vaporisation sont l'encrassement de la chaudière, des pannes répétitives du brûleur, ainsi qu'une usure prématurée des différents composants de ce brûleur. Sur ce banc d'essai, nous avons installé une conduite correctement dimensionnée, une deuxième avec un diamètre trop petit, ainsi qu'une troisième avec un diamètre trop grand. Mettons en route l'installation et voyons les effets avec une conduite d'un diamètre trop petit. La quantité de mazout nécessaire au fonctionnement du brûleur a de la peine à être aspirée. La vaporisation commence et de multiples bulles d'air apparaissent. La pression de pulvérisation est instable. La flamme peut décrocher. La mauvaise qualité de combustion va encrasser la chaudière et le brûleur peut tomber en panne. Si nous testons le système avec une conduite trop grande, la vitesse de circulation du mazout est trop faible, les bulles d'air s'accumulent dans différents secteurs de la conduite. Et malgré une pression stable, le brûleur peut tomber en panne et ses composants s'user prématurément. Avec une conduite correctement dimensionnée, la formation de bulles d'air est quasiment nulle. La pression ainsi que le vacuum sont stables. La flamme est d'intensité régulière. Le phénomène peut donc être maîtrisé. Les 6 critères pour un dimensionnement correct sont donc la hauteur d'aspiration, la longueur de la conduite, la température du mazout, l'altitude de l'installation, la puissance de la chaudière et le diamètre intérieur de la conduite. À l'aide de la tabelle Procal, nous pouvons dimensionner la conduite mazout de manière juste. Si nous sommes en dehors de la tabelle, il faudra alors prévoir impérativement une pompe de transfert. La pompe de transfert s'avère nécessaire lorsque la citerne se trouve trop éloignée de la chaudière, par exemple dans le jardin. Dans ce cas, c'est la tuyauterie entre la pompe et la chaudière qui est à dimensionner correctement. Voilà, j'espère vous avoir convaincu avec cette démonstration. Le dimensionnement correct d'une conduite de mazout est primordial au bon fonctionnement de l'installation.